Donc bonjour à tous. Hein. À FSU, vous a conduit à une conférence de presse. Comme vous le savez, monsieur le recteur de Capard et Aurore sur les assises de l'éducation. Et nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, ces assises de l'éducation, malheureusement, ne va pas nous amener à grand-chose, puisque l'organisation est calquée exactement sur l'organisation pédagogique qu'il avait mis en place il y a deux ans. Alors pourquoi ça va nous amener à grand chose et pourquoi la FSU a refusé de siéger à ces assises? Tout simplement parce que, un, nous étions dans un cadre contraint, donc aucune possibilité de pouvoir aller au-delà de ce cadre. Et c'est uniquement selon les moyens dont disposait le recteur, uniquement selon la volonté du recteur d'aller sur telle ou telle piste, que nous étions tenus de faire une proposition. La deuxième raison qui fait que nous n'avons pas assisté aux assises, c'est tout simplement du fait que nous étions considérés comme du public, non pas comme des acteurs des assises. Et comme vous avez pu le voir par rapport à l'autre jour des assises, il y avait entre deux interventions que 15 minutes consacrées au public. Vous pensez bien que c'est pendant 15 minutes que nous pourrons exprimer nos volontés pour l'Académie. Nous ne pouvons pas, à travers ces assises, être dans la co-gestion de la pénurie. On parle du pédagogique, on regarde ce dont ont besoin les enfants. On regarde leur situation, l'échec scolaire, le retard scolaire, le décrochage scolaire, notamment l'illettrisme. Et c'est au regard des besoins nécessaires pour lutter justement sur l'ensemble de ces points que nous discutons des moyens. Et ensuite, nous regardons comment nous déclinons l'ensemble de ces éléments-là. Or, aujourd'hui, le recteur ne veut pas l'entendre. Et donc, nous savons pertinemment donc, que ces assises ne correspondent nullement aux besoins de l'Académie et ne répondront sûrement pas à l'exigence tenace que nous avons, nous, à l'Union de la FSU, de voir les enfants de Guadeloupe réussir. Et ça s'est traduit, bien sûr, par les communiqués de presse que vous avez reçus mercredi, jeudi, mais aujourd'hui, par la présentation justement d'un texte d'orientation qui décline justement tous les points pour lesquels il nous semble fondamental d'agir. Et donc, comme nous l'avons dit à M. le recteur, nous ne faisons pas la politique de la chaise vide. Au contraire, nous sommes dans une politique de construction, mais avec tous les acteurs, y compris les collectivités territoriales, y compris avec l'Académie, mais sur la base tout simplement de choses opérantes qui permettent qui permettent la réussite scolaire. Très concrètement, qu'est-ce que nous voulons à la FSU? Nous disons, on sait qu'en France, que le budget ou les budgets sont fondamentalement rattachés à autre chose, comme les mesures régaliennes, la défense, etc. Et que pour pouvoir avoir un minimum de moyens, il faut que les territoires en France soient situés en REP. En réseau d'éducation prioritaire ou en REPUS, comme vous voulez. Bref, c'est une manière déguisée, mais qui est juridiquement tout à fait normale et même facilitatrice, cette mesure, de pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir des moyens. Alors, nulle part ailleurs dans le monde ça existe. Nous sommes en grande difficulté de réussite scolaire, que ce soit pour le baccalauréat, que ce soit pour le brevet, que ce soit pour les études, pour les apprentissages à l'école primaire. Mais on nous explique quand même. N'ayez crainte, on va vous enlever encore 44 postes et vous ferez mieux. Il fallait d'abord partir de la pédagogie pour ensuite regarder quels sont les moyens dont on a besoin. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, mais pas que dans l'enseignement, et on peut le voir à l'échelle nationale, on est dans une autre logique qui est une logique purement comptable, où on envoie des moyens dans des académies et ensuite on essaye de faire entrer la pédagogie dedans. Parce que trop souvent, on a l'impression qu'on essaye de faire réussir l'académie, de la faire, de la rendre belle, de la rendre magnifique, mais en même temps, on fait qu'on ne cherche pas à faire réussir les élèves. On est le département qui a le plus d'obésité en France avec la Guyane. On n'a toujours pas de cantine scolaire dans tous les établissements scolaires. Et de ça, on n'en discute pas dans les assises, on n'en discute pas dans le projet académique. On est le département de France qui a les taux les plus forts de grossesse non désirée de femmes de moins de 18 ans. Là aussi, il n'est pas question d'en parler. Et pourtant, on pourrait lier ça avec les assistantes sociales, avec les infirmières scolaires.
qui ne sont pas assez présentes dans les établissements scolaires, mais on fait un pas sur tout ce qui ne fonctionne pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce que propose le recteur, c'est de discuter de tri social. Quand on parle de pédagogie, puisque pour nous, c'est le cœur de notre métier, c'est de faire réussir les élèves, la pédagogie vue par M. le recteur, c'est de dire, bon, ben, comme on n'a pas assez de salle à Saint-Martin et puis qu'on ne va pas mettre en place des réparations avant longtemps, on entasse 30 élèves dans une salle, et puis comme on sait que ça va poser problème, on va mettre deux professeurs. Et donc, tous les projets pédagogiques inventés dans l'académie ont pour but de pallier les manques en termes de moyens, que ce soit des moyens humains ou des moyens matériels. Et c'est ça qui est une véritable catastrophe. Alors que normalement, la pédagogie, on la réfléchit avec les moyens pour ensuite que les élèves puissent réussir. Mais donc on réfléchit ce dont on a besoin. Une fois qu'on a réfléchi ce dont on a besoin, on a les moyens. Et une fois qu'on a les moyens, et ben on voit si ça fonctionne. Ben dans l'académie, on enlève les moyens. Et quand on voit que les moyens n'existent pas, et ben on dit qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer pédagogiquement pour faire croire que certains élèves peuvent réussir. Donc la pédagogie de l'académie, c'est très facile, c'est on fait du tri social le plus haut possible. La réussite scolaire, c'est que tous les élèves en difficulté puissent réussir. Et c'est ça le projet de la FSU, c'est ça le comportement.